Salut mon Alpha, ça me fait super plaisir de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler de la séduction avec une femme qui paraît difficile ou qui est difficile. Active la cloche, abonne-toi à la chaîne, mets un pouce bleu et on va faire travailler l'algorithme en ta faveur pour que tu continues à te développer. Sur ce, on attaque direct. Alors, comment on fait pour séduire une femme qui est difficile, une femme qui a beaucoup de, entre guillemets, de principes ou de valeurs et qui estime que il faut y aller lentement, qu'il faut vraiment prendre son temps, qu'il n'y a pas, qu'il y a des règles à respecter, etc., etc. En réalité, aucune femme n'est difficile. Ça, c'est la pure réalité. Une femme ne sera jamais difficile si elle est vraiment intéressée. Si elle ne te facilite pas la tâche, si elle ne fait pas en sorte vraiment de te montrer que tu vaux la peine, que tu... En fait, clairement, regarde, tout simplement. Imaginons qu'elle tombe sur un mec qui vraiment qui vaut la peine. Un mec comme Cristiano Ronaldo, par exemple. D'accord ? On prend un exemple. Cristiano Ronaldo, beau gosse, vraiment, voilà, en forme, physiquement au top, qui a de l'argent, qui a du statut, etc. Tu penses vraiment qu'une nana qui est soi-disant difficile ne va pas faciliter la tâche pour Cristiano ? Elle ne va pas faire en sorte d'accélérer les choses parce que le mec vaut la peine, vaut le coup, d'accord ? Elle va se dire, ah mais là, si je le laisse partir, c'est moi qui perds. Si je joue la difficile, il y a des chances que je le perde, d'accord ? Donc en réalité, il n'existe pas de femme difficile. Il existe en effet des femmes qui sont peut-être un peu plus demandeuses, d'accord ? Qui prennent un peu plus leur temps. Parce que elles ont vraiment plus de, allez, je dirais pas plus de pudeur, mais je dirais que elles n'ont pas forcément plus d'expérience, elles n'ont pas forcément beaucoup de d'expérience dans leur vie, et du coup, elles ont peut-être la religion ou bien une éducation qui ont fait que madame prend beaucoup plus de temps. Mais ça ne veut pas dire qu'elle doit être difficile. Ça ne veut pas dire qu'elle te rend la tâche difficile. Ça veut juste dire qu'elle ne te si elle te rend la tâche difficile, ça veut juste dire qu'elle n'est pas forcément très intéressée. Si elle est très intéressée, oui, ça va prendre peut-être un peu plus de temps que les autres, d'accord ? Si c'est une femme qui a une éducation spécifique, vraiment, voilà, les parents ont dit de faire attention, nanani, etc. D'accord ? C'est une meuf beaucoup plus méfiante et tout, ok. Mais elle va faire en sorte de te faciliter la tâche quand même, à te montrer que bah, je suis intéressé, mais on va pas aller trop vite non plus, d'accord ? On va pas commencer à coucher le premier soir ou quoi que ce soit, d'accord ? Si c'est une femme vraiment qui se respecte beaucoup, qui a des principes, etc., bah, elle voudra vraiment qu'on prenne un peu plus, que vous preniez un peu plus le temps. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va te rendre la tâche difficile. Elle va peut-être accepter de tenir la main, de t'embrasser, etc. Elle va te faire des cadeaux, etc. D'accord ? Mais elle ne va pas te dire, bon, bah, on se voit dans tous les 5 ans, on s'offre, tu m'offres plein de cadeaux et moi je t'offre rien, etc., etc. Non, une femme, clairement, si elle est intéressée, elle va créer des opportunités pour te voir, elle voudra te voir, elle acceptera de te voir, elle acceptera les dates, etc. D'accord, mon alpha ? Donc ne te laisse pas embobiner par des nanas qui te disent, voilà, moi je suis une meuf difficile, je ne sais quoi, et au final, elles ne prennent zéro temps pour toi, d'accord ? Elles ne prennent pas de leur temps pour te voir, pour aller en rencard avec toi, pour discuter avec toi. Mais derrière, il y a un mec qui arrive, et direct le premier soir, elle couche avec lui, d'accord ? Ces meufs-là, en fait, elles sont juste pas intéressées par toi, c'est tout. Il n'y a pas de... faut pas passer par 10 chemins, d'accord ? Elles ne sont pas intéressées par toi. J'espère que cette vidéo t'a plu, mon alpha. J'espère que cette vidéo t'a éclairci sur ce sujet. Et n'oublie pas, si tu veux vraiment accélérer ta vie, te développer et atteindre rapidement le top 1%, www.oralpha.fr, c'est dans la barre de description, le site directement. Et également, je propose également plein de produits, c'est des liens d'affiliation, ça permet de soutenir la chaîne, d'accord ? Donc ça te permet d'accélérer ta vie, et au moins, ces programmes-là, on y dévoile tout. Tu pourras clairement découvrir plein de conseils qui te seront utiles. Sur ce, le top 1%, rien mon alpha.